Chaque semaine, les rassemblements et mobilisations contre la proposition de loi sécurité globale ont fait descendre des centaines de milliers de personnes dans plus de 100 villes en France pour dénoncer une dérive sécuritaire très inquiétante. Le gouvernement mène une entreprise de démolition des libertés publiques fondamentales en France à travers la proposition de loi de sécurité globale et ses articles 21, 22 et 24 votés le 24 novembre dernier par 388 députés dans le nôtre ainsi que le nouveau schéma national de maintien de l'ordre. La coordination stop loi sécurité globale en exige le retrait. La coordination n'est pas dupe et observe que l'article 24 risque d'être réintroduit avec l'article 25 du projet de loi dite séparatisme. Elle dénonce depuis le 8 novembre les nombreuses atteintes à la liberté de presse, à la liberté d'informer et d'être informé, à la liberté d'expression et l'instauration d'une surveillance de masse. Elle s'oppose à une dérive autoritaire de l'État qui s'accélère avec des décrets liberticides décidés à la hâte. La population doit réagir pour que l'État de droit et la démocratie soient préservés. Après la manifestation parisienne du 5 décembre et du fait de la stratégie de terre brûlée mise en place par la préfecture de police, la coordination considère que les conditions de sécurité des manifestants et manifestantes ne sont pas assurées et a donc décidé de ne pas organiser de mobilisation ce samedi 12 décembre à Paris. La coordination appelle les coordinations locales, comme ici, à poursuivre la mobilisation contre cette loi en organisant des rassemblements sur tout le territoire national. La coordination exige d'être reçue dans les plus brefs délais par le président de la République, Emmanuel Macron, sans attendre l'hypothétique Beauvau de la sécurité, qui ressemble à une opération de communication décidée et annoncée dans l'urgence, conjointement par le président de la République et les syndicats de police. Ça, c'était le communiqué de la coordination. Politique de terre brûlée, dit le communiqué. Oui, le préfet de police est prêt à tout pour discréditer ceux qui manifestent pour la liberté et la justice. Prêt à tout, jusqu'à commettre l'irréparable ou même des actes criminels. On est d'autant plus conforté dans cette idée que l'on a appris que les quatre policiers mis en cause dans l'agression du producteur de musique Michel Zecler vont bénéficier pour se défendre d'une aide financière de l'État, payée donc par nos impôts. Non. On peut, oui, on peut. Une pancarte qui est dans le journal du syndicat, ceux qui ne l'ont pas peuvent le réclamer, résume bien le comportement du préfet de police, je cite, préfet l'allemand, ça sent pas bon. En effet, certains politiciens, ici à Chaumont, on pense à M. Alonso, adjoint à la sécurité ou à la répression, comme on voudra, qui a l'air de penser que la police est par essence démocratique. Cela devrait revoir un peu leur histoire de France. L'histoire qui nous montre que dans des périodes troubles, ou bien lorsque notre pays a connu des gouvernements autoritaires, fascisants, aux dictatoriaux. Pétain fut de cela. Le nôtre, aujourd'hui, va bientôt supporter la comparaison. Ces pouvoirs fondés sur la répression ont toujours veillé à avoir des préfets, des responsables d'administration ou une police obéissant aveuglément.
Les gouvernements ont toujours eu la police qu'ils méritaient. Souvenons-nous de la plus grande arrestation massive de juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. 13 000 juifs, dont un tiers d'enfants, seront arrêtés avant d'être détenus au Veldiv ou dans d'autres camps dans des conditions d'hygiène déplorables et presque sans eau ni nourriture pendant 5 jours. C'est la police française, et elle seule, qui a réalisé cet exploit, sans état d'âme. Souvenons-nous du nom du préfet de Bordeaux, responsable de 1942 à 1944 de la déportation de 1600 juifs vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Il s'appelait Papon, le même Papon responsable du massacre des Algériens en octobre 1961, battu, matraqué, jeté en Seine. Au début, il n'y avait personne. On a su depuis qu'il y a eu 300 morts le 17 octobre 1960 dans notre pays. Jeté dans la Seine alors qu'il manifestait pour la paix en Algérie. Ce même Papon, responsable du massacre de Charonne en 1962 et qui finit ministre du budget de Giscard d'Estaing et de Raymond Barre. Je ne sais pas comment on fait de mettre ça, comme il y avait la mort de Giscard, voilà. Permettez-moi d'ajouter quelques mots à cette déclaration déjà trop longue. J'avais prévu au départ de lire juste la déclaration de la coordination, mais voilà, on se laisse aller des fois. Des mots qui montrent que Macron n'en finit pas, et si on ne fait pas attention, n'en finira pas de s'attaquer à nos libertés publiques et individuelles. Mercredi dernier, les trois fichiers de sécurité publique ont été Avant de se quitter, approchez-vous, parce que... Bon, on ne sait pas... Enfin si, on sait à peu près ce que demain sera fait, on ne sait pas. Si, on le sait. On sait que de toute façon, le gouvernement, il a envie de continuer dans la case des libertés. Alors, j'ai dit tout à l'heure, on se tient prêt. Je ne sais pas pour l'instant, mais peut-être qu'avant Noël, d'ailleurs ça serait pas mal, on fasse encore une manifestation. Ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de la coordination nationale. Là on a eu un peu de problème parce que manifestement il y a eu un débat pour savoir s'il maintenait ou pas une manifestation à Paris. Et on a eu l'idée de la manifestation en région avec un jour de retard. On avait prévu le coup, on avait arrêté la manifestation. Donc on s'y apprête. Que dire d'autre ? Je pense que les libertés, c'est aussi les décisions du gouvernement concernant le confinement. Parce que autant il faut faire attention à la maladie, ça c'est clair, autant il y a des mesures qui paraissent totalement vexatoires, voire humiliantes. Par exemple, la question des théâtres, des musées et des cinémas, alors que les mesures sanitaires sont prises dans ces lieux et qu'on ne fait rien pour ce qui est des transports publics, rien pour les hôpitaux, rien. Enfin, pour les hôpitaux, il y a des... Et pour les EHPAD, on n'a pas pris les mesures qu'il fallait au moment où il fallait, et rien non plus dans les entreprises. Donc voilà. Donc, on verra dans la semaine. On se tient prêt. Peut-être qu'il y en aura une manif encore la semaine prochaine. Voilà, sans doute, oui. Et... Bon, après ça,
Il y a des, comme je le dis, il y a des moments où on ne choisit pas. Il faut manifester, notamment pour les libertés. C'est trop grave. Et le pire, c'est de laisser croire que la ville serait calme et que personne dans une ville comme Chaumont ne protesterait pour et n'agirait pour défendre la liberté. Donc on continue. Merci à vous d'être venus. Il y en a beaucoup qui restent un petit peu trop chez eux. J'ai fait un calcul en additionnant tous ceux qui sont... Il y a le noyau dur en additionnant tous ceux qui sont venus une, deux fois. Ça fait déjà une belle manif de plus de 300, au moins 300-400, quoi. Donc c'est bien. Voilà, c'est comme ça qu'aussi il faut voir. Les gens ne peuvent pas participer toutes les semaines. C'est pas... Bon, on voit bien ici, il y a des gens, ils sont venus une semaine, ils ne sont pas venus une autre, ils reviennent. Voilà. Et donc c'est comme ça. Et les gens, il faut leur donner la possibilité de venir manifester. S'ils ont la possibilité, personnellement, ils peuvent. Comme disait le général de Gaulle à un moment donné, il faut savoir si les Français veulent rester couchés ou s'ils veulent vivre debout. Merci à tous. On récupère les...